Rebondissement dans l'affaire Griveaux. L'artiste russe Piotr Pavlensky s'est rendu au tribunal correctionnel de Paris ce mercredi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Il était accompagné de sa compagne Alexandra de Tadeo, qui a choisi un look très décalé pour l'occasion. S'y est-il dans une tenue pour le moins étonnante, à savoir une longue robe bleue à sequins, qu'Alexandra de Tadeo s'est rendue au tribunal correctionnel de Paris ce mercredi 28 juin 2023, aux côtés de son compagnon Piotr Pavlensky, tout de noir vêtu. Une information rapportée par l'AFP, qui rappelle que l'artiste russe de 39 ans et l'étudiante française de 32 ans comparaissaient pour avoir enregistré et publié, sans le consentement de Benjamin Griveaux, des vidéos à caractère sexuel qui ont entraîné sa démission à la campagne municipale et provoqué un scandale politique en février 2020. L'art contemporain détruit les zones de confort, a notamment déclaré Piotr Pavlensky, ajoutant que la liberté artistique devait être la plus grande valeur, avant de rentrer dans la salle d'audience remplie de journalistes et de public. Alors que la magistrate commençait à décliner leur identité, l'artiste russe a lancé d'une voix forte, « Aujourd'hui aura lieu le jugement de mon 8e événement d'art sujet-objet, l'événement porno-politique, je serai jugé pour mélanger le style élevé et bas. » Un choix du cœur pendant qu'il continuait, la présidente a tenté de l'interrompre à plusieurs reprises avant de suspendre l'audience, alors que des applaudissements retentissaient. Quelques minutes plus tard, le tribunal a fait revenir à la barre Madame de Tadeo pour lui énoncer ses droits, mais Piotr Pavlensky a refusé de se lever, lançant « J'annonce la règle du silence, vous ne voulez pas m'écouter quand je voulais venir parler. Si est-il votre choix, la seule chose si est-il que les débats doivent se dérouler dans la plus grande sérénité », a répondu la présidente. Le tribunal a résumé le dossier avant de visionner, à huis clos, des extraits des vidéos de masturbation envoyées par l'homme politique à Alexandra de Tadeo lors de leur brève relation entre mai et août 2018. Alexandra de Tadeo, aujourd'hui étudiante en histoire de l'art, a quant à elle accepté de s'exprimer. Dans une déclaration liminaire, elle a estimé que, depuis 40 mois, sa parole avait été manipulée, ridiculisée, ignorée par cette machine à broyer qu'on appelle institution judiciaire et son pendant médiatique. L'étudiante a déclaré avoir tout exprimé dans son roman autobiographique intitulé L'amour, qu'elle portait d'ailleurs à la main, ajoutant qu'elle n'avait à aucun moment voulu piéger Benjamin Griveaux. Si elle a conservé certaines vidéos envoyées par l'ex-porte-parole du gouvernement, c'était pour se protéger car il s'agissait d'une relation particulièrement déséquilibrée, a-t-elle fait valoir. Les juges d'instruction ont conclu à son application directe dans la publication des vidéos, mais Alexandra de Tadeo a maintenu que Piotr Pavlensky l'avait fait à son insu. Lors de la révélation, ma première réaction a été de paniquer, venant d'un milieu plutôt conservateur, machiste et assez fermé à l'art, a-t-elle assuré, affirmant avoir dû faire un choix du cœur. Aujourd'hui, je le vois comme une évolution dans toute la séquence artistique des événements de Piotr, a-t-elle expliqué. Je pense qu'en réalité on parle beaucoup de droit à la vie privée depuis le début de cette procédure, mais il y a aussi le droit à la liberté artistique, a-t-elle défendu, disant soutenir son compagnon, un très grand artiste contemporain. Si elle était bien présidente de l'association qui a financé le site porno-politique et y a co-signé une interview de la Cicciolina, femme politique italienne et actrice de films pornographiques, Alexandra de Tadeo a répété qu'elle n'a eu qu'un rôle financier et organisationnel mais aucun rôle créatif. La prévenue a ensuite annoncé refuser de répondre aux avocats de Benjamin Griveaux, 45 ans, absent de l'audience, et à celle du parquet.
Durant de longues minutes tendues, les conseils de la partie civile ont posé tout de même leurs questions, l'une après l'autre, pointant des coïncidences, d'un ton souvent ironique. Maquiller ses agissements, ses délits et ses crimes en invoquant l'art, si est-il une imposture. L'art, ça n'est pas fait pour avilir, pour humilier, pour abaisser. Ce n'est pas un instrument de terreur, ce n'est pas un instrument de torture, si est-il le contraire de cela, a lancé l'un des avocats du mari de Julia Minkowski, M. Richard Malka. Take a chance, you can just keep.